le RGD travaille au sein du FNDC. Le FNDC est dans la vérité. Parce que la constitution de 2010 est une bonne constitution. Elle ne peut pas être changée en fin de mandat. C'est un coup d'État constitutionnel. Vous le savez, on l'a dit. Personne ne dit qu'un président ne peut pas changer de constitution. Mais il y a l'opportunité, il y a le temps. Ici, ce n'est ni opportun et le timing n'est pas au rendez-vous. Vous craignez que le président fasse une constitution qui prolonge donc son mandat ou qui lui permette d'avoir un nouveau mandat. Je ne crains rien à ce stade de la compréhension, de la manière dont les choses évoluent. Pourquoi a-t-il attendu la fin de son mandat pour nous présenter une constitution? C'est pour avoir un troisième mandat. Mais tout ce qui est en train d'être fait là, ne vous en cachez pas, s'il vous plaît. C'est pour avoir un troisième mandat. Or, en le faisant, n'est-ce pas, il trahit la conscience du peuple. Il trahit la voix du peuple. Il trahit le peuple de Guinée dans toutes ses composantes. Que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, nous sommes tous une Guinée unie, une et indivisible.